pas sonne, ça c'est une vie ça. Vie que bébé le vivant, à nania no blerukui, à no kotume, à son hum, à no disa. Zaga, nous avons porté plainte non les, et ni à les commissariats, les DCPG, nous avons les qui, ni à nani kumi, les qui ni à les amotua et qu'on en a tamé nami. Dès que quelqu'un n'est pas d'accord avec vous, il faut qu'on l'enferme. Et aura les surtout, mille jours le Togo, mille jours le Togo, mille jours le Togo. Elle est bien, elle est bien. À mes bosses on couvre d'aller les pommes. Monsieur Faure, votre famille contrôle le pays depuis 50 ans. François Hollande est obligé de partir au bout de 5 ans. Qu'est-ce que vous avez envie de lui dire? Je ne vois pas le rapport. François Hollande, français, je peux dire, je ne vois pas le rapport. Monsieur Faure, votre famille contrôle le pays depuis 50 ans. François Hollande est obligé de partir au bout de 5 ans. Qu'est-ce que vous avez envie de lui dire? Je ne vois pas le rapport. François Hollande, français, je peux dire, je ne vois pas. Obenade, monsieur Faure, Yassine. Famille au lait pour le joie. Pendant 50 ans, voilà. François Hollande, au bout de deux mandats, il a dit, je se présenter. Les coups, eh bien, les bons rapports, il y a quoi, il y a rapport. Elle est moi. Mais il y a, François Hollande, et les populations avaient Djoumé, il y a des Djoumé, population allée. Donc, il y a un rapport qui est. Et bien, d'où me mis en population à mille. Mise à toi, et toi, n'y a rien. Donc, il y a un rapport qui est moi, c'est un rapport. Rapport, c'est pas la même chose. Moi, le Togo m'appartient, mais François Hollande, lui, la France ne l'appartient pas. Lui, il est juste intérimaire. Moi, si c'est mon pays, j'ai le titre foncier. C'est ça, en fait. Écoutez, monsieur Faure, votre famille contrôle le pays depuis 50 ans. François Hollande est obligé de partir au bout de 5 ans. Qu'est-ce que vous avez envie de lui dire? Je ne vois pas le rapport. François, président français, je présente, je ne vois pas le rapport. Monsieur Faure, votre famille contrôle le pays depuis 50 ans. François Hollande est obligé de partir au bout de 5 ans. Qu'est-ce que vous avez envie de lui dire? Au bout de 5 ans. Je ne vois pas. Au bout de 5 ans, François Hollande dit à Roladio, on s'est mis. Mais attends, c'est pas la même chose, hein? Est-ce que c'est la même chose? Moi, le Togo, ça m'appartient. C'est mon pays, j'ai le titre foncier. Mais François Hollande, lui, il est venu juste. Il a été embauché. Voilà. Lui, il peut partir, mais il n'y a pas de rapport. C'est normal. Mais oui, frérot. On me dit de bloquer Flore. C'est qui Flore? J'ai pas vu Flore, hein. Bon, après, s'il écrit encore. Eri, n'est le quoi, n'est le quoi, Flore, oui. N'est le quoi, Flore, n'est pas loin, oui. N'est jamais ni soi, n'est pas loin, ok. Eri, ma, n'est le quoi. Flore. Oh, et si tu as. Il est quoi, alors? Fais qu'elle est moi. Faut que nous vivions encore, je le dis. Nous ne m'a pas, oui. Ne m'a pas, mais non propre. Il est quoi, nous amour? Il est quoi? Faut que nous là, nous n'avons ni nous, alors, nous n'avons pas, oui. Est-ce que nous n'avons pas? Bon. Franklin, monsieur Franklin, c'est faux. Ça n'a jamais été vrai. Faure Gnassingbé est capable de tout faire juste pour garder son pouvoir. Ça n'a rien à voir d'aider le Burkina ou Mali ou le Niger. Moi, je vais demander à les ces trois pays de ne jamais avoir confiance à Faure Gnassingbé. Lui, là, c'est le pouvoir qui l'intéresse. Il n'y a rien du tout à part ça. La population, le peuple, il n'a rien à foutre. Il faut que ça soit clair pour vous, monsieur Franklin. Je vous suis depuis très longtemps. Faure Gnassingbé peut trahir la Côte d'Ivoire. Pas dans l'intérêt de la population. Juste pour lui, son pouvoir. Il peut trahir le Bénin. Il peut trahir tout le monde. Il a juste peur de la France et les États-Unis, tout le reste, là, il n'a rien à foutre.
Il ne fait pas les choses pour la population. Non. Même le président du Niger ou du Burkina, tout ça. Faites très attention dans le combat où vous êtes là. Faites attention. Un monsieur comme Fonian, il a trahi la CDAO pour être avec vous. Il va vous trahir aussi pour la CDAO ou pour la France ou pour les États-Unis. C'est comme ça. Donc, si vous voulez vraiment avoir une collaboration entre le Togo et le Niger, Mali, Sénégal, Côte d'Ivoire, Bénin, tout ça, vous voulez avoir vraiment une vraie collaboration entre vous, le président, il faut changer Faure Gnassingbé. Et soutenir un vrai pion, quelqu'un qui est vraiment là pour la population, qui sera là comme... voilà. Mais si vous pensez que Faure Gnassingbé, Jean, vous avez trop confiance à lui. Il sait tout ce qu'il fait. C'est pour garder le pouvoir. Aujourd'hui, là, il est en train de faire genre, c'est parce que j'ai pris des décisions pour aider les pays frères que les terroristes attaquent mon pays. Tout ça, c'est des conneries, man. C'est des conneries, frérot. C'est des bêtises. Quand Ibé Traoré a fait le coup d'État au Burkina, là, le gars qu'on a chassé au pouvoir, il était où? C'est pas Faure Gnassingbé qui l'a accueilli chez lui. Hein? La médiation entre Bazoum et puis tout ça, c'est... Sachez que le Niger, Burkina, Mali, vous pouvez faire toute collaboration avec le Togo, mais soyez très très vigilants. Ce n'est pas un homme qu'on peut avoir confiance. Tout doit être signé. Lui, il fait tout pour le pouvoir, pas pour la population. Si vous soutenez ce monsieur, en vrai... C'est que ce que vous êtes en train de... Le combat que vous menez dans vos pays-là ne sert à rien. Président Siani, Naransere Allah, Kakaïma a confiance, Fonya Zingou. Kakaïmi, j'ai confiance. Ni dans Niger, ni dans Arlit. Quand vous êtes en Niger, vous n'avez pas de Togo. Vous n'avez pas de... Ah, il fait ni abingane, à l'itne, chaque cacao, il a 3 ans à cacao, ni togo. Quand vous avez mis confiance au Faure Gnassingbé, ha! Ya, gora mou, quand vous avez mis confiance. Président Siani, quand vous avez mis confiance, s'il y a des intérêts, tu prends tes intérêts, tranquillement, mais n'ayez pas confiance, c'est moi qui te dis. Moutane Niger, Mouna Dewa Togo, sous Abarama, sous Aoussawa, Mouna Dewa, a fait mou. Ni a fait ni à Niger, ni à Lit, n'a pas fait. N'a de sou, Sistana Dewa, à Lit. Famille, n'a pas fait. 3 ans, il y a réussi à Kaoni, Togo. Donc, Mouna Dewa Togo, ni. Basou Soba, tout mou. Koulous, n'a pas fait ni de Niger, ni de Nassaba, qui n'a pas fait politique, blablabla, blablabla. Amana, il y a un sobre, mais. Ojen, n'a ni. Na igirima ausa na bere kia manku na jiko to na gaya muku kako imushi confianceo chekerenji anaga president ya ni azo togo e kako imushi confiance abinde ke so pouvoir na de ke so nde ya samwanya ye imaka wona abu ya imaka fast fast shibere be de kunya shibere kunya o ah na gaya muku. C'est qui Flom? Je vois pas. Il faut faire très attention. Le Togo est très dangereux. Quand tu vois les gens, c'est un pays où les gens ont galéré toute leur vie. 60 ans, papa et fils au pouvoir. Ça peut jamais arriver en Côte d'Ivoire. Ce que tu peux pas souhaiter à ton pays, ne souhaite pas ça à un autre pays. Makoso. En tout cas, j'espère que tu as compris le message. C'est une erreur que tu as eu à faire. Moi, je te le dis. J'aime ton affaire, mais c'est une grosse erreur que tu as eu à faire. Donc, prochainement, fais attention. Fais très attention. 90% des Togolais veulent un changement depuis que le papa est mort. Le papa a fait 40 ans. Le fils est venu. Il devait faire 2 mandats. Il a fait les 2 mandats. Il a dit non, je vais faire 3e mandat. Il a fait 3e mandat. Il dit non, je vais faire 4. Il a fait 4. À la fin du 4e mandat, maintenant, il change la constitution. C'est devenu parlementaire. Et c'est parti pour longtemps. C'est ce qui veut dire qu'il va mourir au pouvoir. Et non, ça, ce n'est pas Dieu. Ce n'est pas la volonté de Dieu, Makoso. Tu ne peux jamais nous dire ça au Togo. Ce n'est pas la volonté de Dieu.
Fornasinde a mis son propre frère en prison, ça fait 15 ans, pour une histoire, oui, coup d'état, blablabla. Dès qu'il sent que son pouvoir est un peu, quelqu'un veut faire directement prison. Et c'est une vérité, Makoso. Fais très attention, prochainement ne fais pas ça, parce qu'il y a beaucoup de Togolais qui t'aiment. Tu vois, il y a beaucoup de Togolais qui t'aiment et tu les as divisés. Les autres qui sont avec le pouvoir, ils ont kiffé ce que tu as fait. Et les autres qui ne sont pas avec le pouvoir n'ont pas aimé ce que tu as fait. Mais toi, en tant qu'un passeur, tu devais rassembler la population. Juste ta présence au Togo, tu n'as pas besoin de prendre parti. Tu fais tout. Tu peux aller même saluer le président, on s'en fout. Mais glorifier, c'est Dieu qui t'a béni. C'est Dieu qui a fait ça. Que Dieu te bénisse. Que Dieu fasse que tu gardes le pouvoir. Non, frère, faut pas te foutre de nous. Hein. Attention. Aujourd'hui, là, même Ouattara doit aider les Togolais à se débarrasser de lui, de Fornasinghe. Parce qu'il ne va même pas hésiter. Vous pensez que les 49 soldats qu'il allait prendre au Mali, là, c'est pourquoi? Parce qu'il sait que Ouattara, c'est son doyen. Il sait que, ah, il connaît Ouattara. Il connaît. Il sait. Si Ouattara met sa bouche dans son affaire, là, depuis longtemps, il a été sauté. Il connaît. Donc, il fait tout pour être bien partout dans le monde, sauf dans son pays. Ouais. C'est un Fornasinghe, on a nous, la Philippe, on est quoi, mais dans son propre pays, les gens galèrent de malade. Si vous allez en Côte d'Ivoire, vous allez voir beaucoup de Togolais, les menuisiers, les maçons, les enseignants, ils sont beaucoup en Côte d'Ivoire, ils sont beaucoup au Bénin. Et puis ils sont beaucoup au Ghana, au Mali, Sénégal, Niger. Tous les Togolais cherchent à fuir le pays. Regardez bien même dans la culture, dans la musique. Tous les artistes togolais sont obligés d'aller en Côte d'Ivoire, aller chercher d'amitié avec les autres, faire les trucs, faire la courbette. Voilà, parce qu'il n'y a même pas une bonne visibilité sur les artistes togolais. C'est vrai que la Côte d'Ivoire, c'est la capitale de la musique africaine. Je refuse pas. Mais si tu vas au Gabon, il y a des artistes très talentueux. On les connaît un peu partout. Mais ils ne sont pas obligés d'aller en Côte d'Ivoire. Mais s'ils vont là-bas, c'est encore un plus. Tu vois un peu. Mais le Togo, c'est un pays fou. C'est un pays où la culture, il n'y a rien, frérot. On a nos grandes sœurs comme les Bella Bello, les comment appelle-t-on, les Fifi Raffia, tout, qui ont chanté avec les grands artistes ivoiriens, tout ça. Mais aujourd'hui, il faut comparer les deux, tu vas voir. Nos grands sœurs sont ici en Europe en train de galérer. Demandez à Méo, il va vous dire. Le Togo a besoin de soutien venant de tous les pays qui sont en Afrique.